Salut tout le monde, c'est L2O. On se retrouve aujourd'hui pour un glitch pour avoir la couleur vert lime sur n'importe quelle voiture. Donc pour la débloquer, elle est custom. Donc c'était un glitch qui existait déjà pour l'1.12 mais qui marchait encore. Un abonné m'a demandé d'avoir la couleur vert lime dans la couleur rouge. J'ai dit non, attends, moi j'ai un glitch encore, j'ai un glitch pour ça. Et il marche peut-être encore, et oui, il marche encore, donc je vous le montre. Donc tout d'abord, je vais vous montrer à combien je suis dans mes statistiques. Enfin, vous allez comprendre. Là, vous faites start, vous allez dans statistiques, véhicule, et vous pouvez voir que je suis à 38 cascades uniques réussies sur 50. Et vous allez voir qu'à chaque fois que je vais sauter sur ce pont, je vais m'en faire à chaque fois un de plus. Donc tout simplement, vous allez aller dans la course Incartade clandestine. Vous allez aller un peu sur la course et arriver à cet endroit-ci. Vous allez vous arrêter, ou du moins vous allez rester dans ce périmètre-là, pour pouvoir tout simplement faire ce saut-ci. Donc là, quand vous atterrissez, vous allez voir, il y a des RP qui apparaissent, ça veut dire que ça a bien fonctionné et que vous avez gagné un saut unique en plus. Et donc il vous faudra le faire 25 fois pour le débloquer au Los Santos Custom. Donc à moins que vous ayez déjà fait des sauts uniques, il vous en faudra moins. Donc ça, c'est à vérifier directement, ben là dans les statistiques, comme j'ai fait là. Vous avez pu voir d'ailleurs que j'étais à 39 et plus à 38, donc c'est que ça marche bien. Et une fois que vous en aurez 25 sur 50, vous pourrez débloquer la couleur vert lime au LS Custom. Donc vous n'avez plus qu'à le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit débloqué. Ce glitch était déjà apparu dans la mise à jour 1.12, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, je m'en rappelle plus du tout. Peut-être même dans la mise à jour 1.11. Mais bon, vu qu'il marche encore, autant le reproposer encore une fois. Je vais juste le faire encore quelques fois pour bien vous le prouver. Donc là déjà je l'ai fait une fois. On va juste le faire une dernière fois. Vous allez voir, j'étais à 39 je crois, on avait dit. Par contre, ça marche à chaque fois, mais faut, pour savoir si ça a bien marché en fait, vous avez tout simplement les RP qui s'affichent en haut. Vous allez voir là, normalement ça devrait le faire. Et on aura le droit à une belle image avec les trois voitures en même temps. Non, là ça n'a pas marché, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas les RP qui sont affichés, c'est parce que je suis pas allé assez droit apparemment, on a sauté tous les trois en même temps. Et donc il va falloir que je recommence. Bon, de toute façon là, ça va m'en faire normalement 40, je pense que j'en avais fait un avant. Donc on va aller voir dans véhicule. J'étais à 39 tout à l'heure, et là je suis à 40, donc c'est que ça a bien marché. Juste le dernier qui n'a pas marché, où on a sauté tous les trois en même temps. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Donc vous pourrez débloquer avec ce glitch aussi la couleur vert lime, et d'ailleurs toutes les autres couleurs qui sont en dessous avec les cascades uniques. Même je crois qu'il y a quelques autres trucs qui sont à débloquer avec les cascades uniques. Donc là on va regarder, est-ce que j'ai les RP? Oui, j'ai les RP, donc là je devrais être à 41. Bon bref, moi je vous laisse sur ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde. Yeah.